Le daf kaf d'aller dans ma sechet nazir, nous prenons la seconde ligne, nouvelle Mishnah. Aïcha shenadra ben nazir, une femme qui s'est engagée à être nazir, veifrichat behemta, elle a mis de côté une bête pour des bêtes pour les korbanot que doit porter un nazir. Hakar efer la baala, et après son mari annule son neder de nazir. Im shelo haita behema, si la bête qu'elle a mise de côté appartenait à son mari, tetsevetir ba'eder, eh bien, on laissera cette bête comme n'importe quelle bête qui n'est pas Ekdesh. Il n'y a pas de sainteté sur la bête. Mais Imshela, si par contre la bête appartenait à la femme, Aïta Behema, parmi les bêtes qu'elle a mis de côté, si c'est pour le Korban Hatat, Tamut, eh bien on laissera l'animal mourir. Ve'ola Tikarev, Ola, Ve'ashlamim, Tikarev, Shlamim. Et par contre, si elle a mis de côté le Korban Ola ou le Korban Shlamim, les deux autres Korbanot du Nazir, eh bien, ils seront apportés tout de même en tant que tels. Donc, Ola en tant que Ola, et Shlamim en tant que Shlamim. Vénéchalim le Yomechad, Vénéna Et ils seront mangés pendant un jour, mais ils n'ont pas besoin d'avoir le pain que l'on mange en général lorsqu'on apporte les Shlamim Nazir. Donc, ce Korban Ola et ce Shlamim, le Shlamim du Nazir, normalement, doit avoir des pains qui sont consommés avec. Et ici, on voit que non, la Gemara essaiera de comprendre pourquoi. La suite de la Mishnah, Ayula Ma'ot Tumim. Dans le cas où cette fois elle a mis de côté de l'argent pour justement ses bêtes. Donc elle n'a pas sanctifié un animal, mais elle a mis de côté. Lorsqu'elle a mis de côté l'argent, il y a deux types de possibilités. Soit elle a mis de côté une somme d'argent en décrivant l'animal et le corban que ce sera. Donc ça c'est pour Ola, ça c'est pour Shlamim, ça c'est pour Hatat. Ou sinon, elle a mis une somme d'argent pour les korbanot qu'elle doit apporter. Donc, Ayula Marot Stumim, si elle a mis de côté de l'argent, Stumim Satum, on ne sait pas exactement quel argent pourquoi, mais pour les korbanot. Yipelo Lindava, eh bien cet argent servira à des korbanot qui sont des dava, qui sont des dons pour Hachem, qui ne sont pas des korbanot obligatoires. Marot Meforashim, si par contre elle a précisé, ça c'est pour Hatat, ça c'est pour Ola, ça c'est pour Hashlamim. Deimer Hatat, Yelechou, le Yamamelach. L'argent du Hatat, il ira, on s'en débarrassera. Donc Yamamelach, c'est la mère morte pour dire qu'on s'en débarrasse, qu'on n'en profite pas. Velo Nehenin, on n'a pas le droit d'en profiter. Velo Mo'alim Bahem, mais malgré tout, si on en a profité à tort, on ne doit pas apporter Korban Me'ila. Deimer Ola, l'argent qu'elle a mis de côté pour le Korban Ola, Yaviou Ola, on apportera un Korban Ola avec. Ou Mo'alim Bahen, et par contre, si on en profite à tort, on apportera un korban me'ila, d'aimer shlamim. Par contre, l'argent qu'elle a mis de côté pour le korban shlamim, il y avait ou shlamim, on apportera un shlamim, v'nechalim yomichad, v'ein tornim nechem, pareil, on en fera des korban shlamim qui seront consommés pendant une journée et pour lesquels on ne n'apportera pas non plus de pain. À ce propos, la Gemara revient tout de suite sur la première partie de la Mishnah. On avait une différence entre le cas où la femme a mis de côté une bête pour ses korbanot de la fin de Nézirut. Et on a fait la différence entre le cas où la bête lui appartenait et la bête ne lui appartenait pas. Donc c'était un cas où elle avait mis de côté des animaux pour Hatat, Ola et Shlamim, mais finalement son mari l'avait annulé à Nézirut. Et en fonction de l'appartenance de la bête au départ, eh bien il y aura une différence. Si la bête appartenait à son mari, eh bien il n'y a pas de Hekdesh. Le Hekdesh, la Kedusha, la sainteté disparaît complètement de l'animal. Par contre, si c'était à elle, on a vu que le Hatat devra mourir, que les autres resteront Ola. Et Shlamim Lagma dit, Mantana de Baal, l'omishta'abedla. C'est qui est le Tana qui pense ici que le mari n'est pas asservi au korbanot de sa femme? On verra tout de suite qu'il y a une machloket. Est-ce que lorsque un homme épouse une femme, il s'engage aussi, il engage ses biens par rapport aux obligations que la femme aura de korbanot? Lagma dit, on voit ici que lorsqu'elle a pris ses bêtes à elle, les bêtes sont engagées. Lorsqu'elle a mis ses bêtes à lui, elles ne sont pas engagées. Amara Prisa, Rabanani, c'est Rabanan. De Isalkadatar Rabbi Uda, car si tu penses que c'est Rabbi Uda, pourquoi? Il a dit que lorsque les bêtes appartenaient au mari, et que finalement la Nézirut a été annulée, eh bien on a dit que les bêtes elles sortiront dans les champs, dans les pâturages, et qu'il n'y a plus de sainteté dessus. Pourquoi? Amishtabedla, selon Rabbi Uda, les bêtes sont, les biens et les animaux du mari sont asservis, sont liés aux engagements de la femme, dit Tanya Sinbraïta. Rabbi Yehuda Omer, au nom de Rabbi Yehuda, Adam evi korban ashir al ishto, un homme, il a korban, ce qu'on appelle le korban, le sacrifice ashir du riche, al ishto. C'est-à-dire, il y a certains korbanot, certains sacrifices, où la Torah dit,
Si la personne a les moyens, elle apportera un gros bétail. Si elle n'a pas les moyens, un petit, sinon elle apportera même de la farine. Elle apportera une volaille ou de la farine. On voit que la Torah fait une différence entre le pauvre et le riche au sujet de certains korbanot. Et ici, on voit quoi? On voit que si la femme est pauvre, mais que le mari est riche, eh bien, c'est le mari qui, avec son argent à lui, donnera des bêtes pour sa femme. Donc on voit que le chiyuv de la femme est lié à l'argent du mari. De là, on voit que selon Rabbi Yehuda, en tout cas, selon Rabbi Yehuda, on voit que le mari est engagé par rapport aux bêtes que la femme, aux corbanotes que la femme doit apporter. La braïta de Rabbi Yehuda nous dit, et pour tous les sacrifices, chez Karkatavla, c'est ce qui est marqué dans la Ketubah, c'est marqué quoi? Kol ahariyut de Hitler, tout engagement que tu auras, alai min kalmadena, eh bien, ce sera justement, mutal ala, ce sera sur moi, tout engagement que tu auras. Donc, c'est marqué dans la Ketubah que l'homme s'engage à donner de son argent et de ses bêtes pour les sacrifices qui incombent à la femme. Donc, du coup, la Gemara nous dit pour l'instant que ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, puisque dans la Mishnah, on a vu que si elle a pris les bêtes de son mari, il n'y aura pas de Kedusha à la fin dessus. Mais ça veut dire qu'on ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Parce que selon Rabbi Yehuda, eh bien, ce que la femme doit, c'est avec l'argent du mari que l'on doit la porter. Donc, du coup, les bêtes qu'elle a prises avec l'argent de son mari, c'est exactement pareil que les siennes. Rava Amar, Rava dit non, c'est pas la peine de dire ça. Afilu t'es marabuda, même si t'es rabuda, on peut dire pourquoi ki mishabad la, mita d'etzricha la. Lorsqu'on dit que selon rabuda, eh bien, les biens de l'homme sont engagés justement par rapport au devoir que la femme a, entre autres dans les korbanot, mais mita d'etzricha la, c'est que dans les choses dont elle a besoin, qui sont obligatoires. Mais mita de l'otzricha la, l'homme, sinon, non. Et ici, dans ce cas, on a vu quoi? Elle a mis de côté des bêtes pour ses korbanot de nazir, mais au final, elle n'est pas nazira, puisque son mari lui a annulé sa naziroute. Et donc, puisqu'elle a pris avec les bêtes de son mari, mais que finalement, il n'y a pas de naziroute, quand est-ce qu'on dit que l'argent du mari, c'est l'argent de la femme? C'est par rapport aux korbanot, aux obligations que la femme a. Mais là, ici, elle n'a pas d'obligation, ce qu'a dit dans la Ketouba. Kol hariyot, toutes les obligations, toutes les responsabilités que tu as par rapport à un korban, par rapport à quelque chose de similaire, à ce moment-là, tu les prendras sur mon argent. Mais là, ici, comme il n'y a plus Néziroute, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça que rétroactivement, l'animal n'a pas de sainteté. Il y en a qui disent que la discussion s'est passée à l'envers. Ikade Amré. Mantana. Il y en a qui disent que la question a été posée comme ça. C'est qui? Tana, Mara Prisda. Prisda, il a dit c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda, pourquoi? L'eau. Et c'est Rabbi Yehuda et qui pense justement que on est dans un cas où comme donc elle a pris avec les bêtes de son mari, si elle était restée Nézira, eh bien ça aurait marché, mais comme finalement on lui a annulé la Néziroute, finalement les bêtes sont au choline. Pourquoi? On dit que finalement c'est Rabbi Yehuda. Parce que de l'autre côté, Rabbanan est difficile à comprendre. Si c'était Rabbanan, l'homme méchabed la klal, selon Rabbanan, le mari n'est jamais engagé par rapport au sacrifice de sa femme. Or, chez nous, dans la Mishnah, on voit deux choses. On voit autant que si il annule la Néziroute, eh bien, les bêtes de son mari redeviennent hol. Mais par contre, on voit quoi? On voit que si la Néziroute n'est pas annulée, on voit que les bêtes restent comme elles étaient. Or, comment c'est possible d'imaginer que la femme a mis de côté des animaux qui appartiennent au mari pour sa Néziroute? Puisque selon Rabbanan, un homme n'est pas engagé. Donc, il est vrai que cette Mishnah-là, quand on la regarde, elle a l'air d'un côté d'être comme Rabbanan, d'un côté d'être comme Rabbi Yehuda. Lorsque l'on dit que lorsqu'il annule le Neder, eh bien les bêtes redeviennent chol, on a l'impression que c'est pas comme Rabbi Yehuda, parce qu'il est engagé. Après on a dit non, finalement c'est un cas où quand on dit qu'il a engagé le mari, il est engagé lorsque la femme aussi est engagée, mais si elle n'est pas engagée, il ne l'est pas non plus. Mais d'un autre côté, le début de la Mishnah est difficile à comprendre. Lorsqu'on dit qu'elle a mis de côté des bêtes, et que ça a l'air d'être que ces bêtes-là restent saintes, sanctifiées, tant que le mari n'annule pas la Néziroute, on n'arrive même pas à comprendre selon Rabbanan pourquoi elle peut mettre de côté des bêtes qui appartiennent à son mari si on ne pense pas comme Rabbi Yehuda qu'un homme, lors de la Ketouba, s'engage à donner ses bêtes pour les sacrifices de sa femme? Des Rabbanan, et là, Echidame, Dimshavedla, c'est quoi le cas où il est engagé? Kegon, Dakneela, Vekevan, Dakneela, Avadinavsha. Donc c'est quoi? C'est un cas où le mari lui a justement donné justement de ses bêtes. Et donc, du coup, Rava nous dit Rava Amar, Afilut et Marabanan, ça peut être même selon Rabanan. Pourquoi? Qui makne l'anami, bemita de tsrichala, bemita de lo tsrichala, lo makne la. Donc, on peut dire que c'est Rabanan.
et qu'en fait c'est un cas où c'est le mari qui a dit à sa femme, je te donne mes bêtes. Et là aussi, même si on est, selon Rabbi Yehuda, c'est un cas où elle n'a, il n'a rien à dire le mari, selon Rabbanan, c'est un cas où c'est le mari qui a donné ses bêtes, mais quoi qu'il arrive, de la même manière que dans Rabbi Yehuda, on a dit que lorsque de manière tacite, eh bien, la Ketouba fait en sorte qu'il donne ses bêtes, il donne ses bêtes que lorsque la femme a une obligation, ben là, c'est pareil, même si c'est ici le mari qui a donné de manière claire ses bêtes, il ne les donne que tant qu'elle a des engagements. Donc il a dit, je te donne les bêtes en fonction de ton engagement. Mais si finalement dans la journée il lui annule sa nézirut, eh bien finalement, à la fois il annule la nézirut et à la fois, finalement, les bêtes qu'il lui a données ne lui sont pas données et ne sont pas sanctifiées, puisque finalement il n'a donné que parce qu'il pensait qu'elle allait avoir une obligation. On avait dit dans la Mishnah que im shela haita, si la bête appartenait à la femme, eh bien hatat tamut ve'ola tikrav. Si c'est un korban khatat qu'elle a mis de côté pour la nézirut, eh bien le korban khatat devra mourir, on ne pourra pas l'utiliser. Mais ola, et le korban ola par contre, il sera important en tant que ola. L'agma a dit hi menala, mais d'où elle a des bêtes? Parce que nous on pense quoi? Amarta ma shekanta isha kanta ba'ala. En général on dit qu'une femme, ce qu'elle possède appartient à son mari. Donc normalement on devrait avoir qu'un cas où les bêtes appartiennent à son mari, puisque tout ce qu'une femme acquiert, eh bien va dans la main de son mari. Eh bien normalement toutes les bêtes devraient appartenir à son mari. L'agmara a dit deux, elle donne deux solutions. Amara papa shemiksata me'isata. Elle a été avare avec sa aïssa, avec sa patte. On dit que l'homme, dans la Ketouva, a l'obligation de donner à sa femme chaque jour une sorte d'argent de poche, de quoi vivre et de quoi avoir de l'argent de poche. Elle, si elle était comme Sanit, si elle a été avare et qu'elle a mis de côté, qu'au lieu de consommer tout cet argent dont elle avait besoin, eh bien, elle s'est restreinte et elle a mis de côté, bien avec cet argent lui appartient et donc elle peut acheter une bête qui lui appartient à elle. Autre possibilité, nous dit la Gemara, il va être ma. C'est lorsque quelqu'un d'autre lui a donné et a conditionné le don en disant almenat she'en leva aler reshut ba'en, à condition que ton mari n'en prenne pas possession, même si on a vu dans à la fin de Masechet Nedarim que c'était une machloket dans la Gemara. Est-ce que ça marchait, quelqu'un qui donne à une femme en disant à la condition que ton mari ne prenne pas possession de cela? En tout cas la Gemara essaie là de trancher que oui, et donne deux possibilités pour imaginer que la femme possède une bête qu'elle sanctifie justement pour ses korbanot de Nazir. On avait dit justement, donc si la bête appartient à la femme, le korban hattat, on a dit tamut, arola tikrav arola, le korban arola sera un arola, mais ashlamim, tikrav shlamim, et celui qui était pour les korban shlamim, il sera approché en shlamim, on a dit, mais il sera mangé un jour et il n'aura pas de lechem, il n'aura pas besoin d'apporter comme un lechem, alors que normalement, le korban shlamim du Nazir nécessite justement le pain. Amale Shmuel, la voix barini, donc Shmuel a dit, avoua barini, il le dit, lotitiv al karer, ad de amartli, hadamita. Tu ne pourras pas, rester là, tu ne pourras pas, rester comme tu es, tant que tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas expliqué comment ça fonctionne, d'où on a vu qu'un korban nazir de Shlamim pourrait, pouvait être consommé sans pain. Alors il lui a répondu, venuen arba elim, shenat onim lehem, voici les quatre bouc de Shalmei Nazir qui ne nécessite pas de pain. Shelo à lui, Veshela à elle, Veshela Haramita et après la mort, Veshela Hakapara et après la Kapara. Il y a quatre types de korban Nazir, de Shlamim de Nazir qui ne nécessite pas de pain. Donc du coup, il a répondu à la question. On voulait savoir d'où on avait déjà vu ce principe-là. On verra que finalement, on a trois autres cas. Shela, c'est le cas qu'on a dit. Et Shelo à lui et après la mort et après la Kapara, c'est trois cas où on apporte korban shlamim, mais qu'il n'y a pas de nécessité de consommer du pain avec. Shela, Adé Amran, c'est le cas qu'on a dit. Shela, c'est son korban à elle. Lorsqu'elle a mis de côté avec son argent, avec sa bête, elle a mis de côté pour son korban nazir shlamim, et qu'à la fin, on l'a annulé la nézirut, eh bien, sa bête à elle, elle sera apportée en shlamim, sans pain. Shelo, sa bête à lui, c'est un cas similaire où on a annulé aussi Nézirut. C'est quoi? Dites-nan. Haish madiret beno ben nazir, va enaisha madiret et benah ben nazir. Un homme peut engager son fils et être nazir, alors qu'une femme ne peut pas engager son fils. Gilah, oshi gilahu kirovim, miha, oshi miha kirovim. Si, eh bien, le fils lui-même s'est coupé les cheveux, ou que des proches lui ont coupé les cheveux, ou que le fils a refusé la Nézirut à un moment donné, oshi miha kirovim, ou que des proches à lui ont refusé la Nézirut pour lui, Ayulo ma'ot, et bien du coup, ça annule
la nizirut. Et alors quoi? Hayulo ma'ot stumim, si ce, on est, le père a mis de côté, donc on a mis de côté de l'argent pour les korbanot, et finalement la nizirut a été annulée par le fils ou par un proche, eh bien, hayulo ma'ot stumim, si l'argent qu'on a mis de côté n'était pas déterminé quel argent pour quel animal, ipelo lindava, on donnera là aussi l'argent pour apporter des korbanes nedava. Ma'ot meforashim, ce sera la même halakha que chez nous. Si l'argent par contre a été désigné de manière claire, demi hatat yirchulei mamelach, l'argent du hatat on s'en débarrassera. Demi ola yivirola, l'argent du ola on apportera korban ola ou moralim bahen, et on ne pourra pas en profiter. Si on en profite, on devra apporter un korban merila. Demi shlamim yaviu shlamim, l'argent du shlamim sera pour shlamim. Et là c'est là que c'est intéressant. Ve nechalim le yom echad, ils seront consommés. L'argent de Shlamim pour un seul jour, ils n'auront pas besoin de consommer du pain. C'est le premier exemple que l'on a dit. C'est le cas où un père a fait une nézirut pour son fils, qui finalement a été annulée par un des proches ou par le fils lui-même. Et qu'entre-temps, on avait mis de côté de l'argent. L'argent qu'on a mis pour le korban Shlamim sera utilisé pour un korban Shlamim sans consommation de pain. C'est le fameux exemple qu'avait demandé Shmuel. Shena Harmita, l'autre exemple où on a un korban Shlamim de Nazir qui ne nécessite pas de pain, c'est lorsque la personne est décédée entre temps. Menalan, d'où le sait, c'est Mishnah Ditnan. Amafrish Ma'ot, le Néziruto, celui qui met de côté de l'argent pour ses corbanes de Nazir, il ne détermine pas quel corban pour quel argent. L'onénim, velo mo'alim bahen, on ne peut pas profiter de l'argent. Velo mo'alim, il n'y a pas de me'ila, donc il n'y a pas de corban si on en profite. Mifne, shehen, eroim, la vie, bechulam, shlamim, parce qu'avec cet argent, on peut apporter pour tout corban shlamim. Met, si maintenant il est mort. Ve'ayulo ma'ot stumim, et qu'il avait mis de côté de l'argent, sans déterminer quel argent pour quel korban, mais il a mis l'argent de côté pour les korbanot. Yepelo lindava, on lui donnera l'argent pour la nedava, pour justement des korbanot, de dons à Kadosh Baruch Hu. Ma'ot meforashim, si par contre il a déterminé ça pour hatat, ça pour ola, ça pour shlamim, demech hatat yolech niyamamelach, la même halakha toujours, l'argent du hatat, eh bien, Yelech les hiboud, on s'en débarrassera à la mer morte ou n'importe où. Velo neini velo moralin, on ne peut pas en profiter, mais il n'y a pas de sacrifice si on transgresse. Des mer ola, yavi ola, avec l'argent de ola, on apportera un korban ola moralin ba'en. Mais par contre, ici, on n'a pas le droit d'en profiter. Et celui qui en profite devra apporter un korban de merila. Des mer shlamim, et l'argent maintenant du shlamim, qui est ce qui nous intéresse. Yavi ou shlamim, on apportera un korban shlamim avec. Venechalim le yomecha, venam teonim lechem. Ils seront mangés pendant un jour et ils ne nécessiteront pas non plus de consommation de pain. Deuxième exemple, on voit qu'on a un korban shlamim de nazir qui ne nécessite pas de consommation de pain. Dernier cas, shelachar kapara. Après la kapara, quelqu'un qui a mis de côté de l'argent pour un sacrifice et qui finalement a été expié, a eu un sacrifice par ailleurs qui l'a acquitté de l'obligation, eh bien du coup, il n'a pas besoin de apporter le premier. Le premier sera consommé en tant que korban shlamim sans consommation de pain. D'où on l'apprend. L'agma dit svarahu, c'est une logique. Pourquoi? Shena haramita mayataam. Pourquoi le cas précédent? On a dit que quelqu'un qui est mort entre temps, eh bien, son korban, il sera apporté en shlamim sans consommation de pain. Pourquoi? Parce que comme il est mort, il n'a plus besoin de kapara, il n'a plus besoin d'expiation. Eh bien, shena ha kapara, quelqu'un qui est vivant, mais qui a été expié par un autre korban, nami, c'est la même chose. Alors, chazel kapara, il n'a pas besoin de kapara, donc du coup, il apportera le korban en tant que shlamim sans consommation de pain. Donc, on a cité ici trois cas en dehors du cas qu'on avait chez nous. Le cas où c'est un nézirut du fils qui a été annulé, le cas où la personne entre-temps est morte ou a été expiée, ce qui finalement revient au même. Parce que c'est la mort, c'est l'expiation de la mort qui fait que la personne ne consomme, enfin, que le korban sera apporté, mais sans consommation de pain. L'agma a dit, mais tous les cas, il n'y a pas d'autres cas. Mais il y a un cas où shakosh la menazim, shahatan, shalokimizvatan, shérim, il y a d'autres cas. Tous les korban de shlamim de nazir qui ont fait la shrita, mais pas comme il faut. Par exemple, on n'a pas fait ça les shem mitzvah, on s'est trompé dans la kavana, ils sont kshirim, on peut les consommer. Mais le ralim, la be'alim eshum chova, mais il n'acquitte pas le propriétaire de son obligation. Venechalim le yom echad, ils sont consommés en un jour. Ve'einan teronim lo lechem velo zero. Et on voit que on n'a pas besoin de manger du pain et pas non plus de manger zero beshela. Donc la partie de la jambe. Et on voit ici qu'on n'a pas l'obligation de manger du pain. Donc il y a encore d'autres cas qui n'ont pas été cités. L'agma a dit pourquoi on les a pas cités. Kimizatan kahashim, shelo kimizatan lo kahashim. On n'a parlé que des cas où la chose a été faite comme il faut. Là ici, tu nous parles d'un cas d'une exception. La personne n'a pas fait la shrita comme il faut. On ne parle pas des exceptions, on ne parle que des cas où la shrita a été faite comme il faut.